Tu as trouvé le poster Défi du faucon rapide. Va au pas de tir et tente le défi. Oh bah nickel. Bonjour à tous et à toutes, donc nous voici pour la suite des aventures de Whisper avec Harry la cavalière intrépide. Donc là je vous ai emmené directement en fait au tir à l'arc, parce qu'on avait trouvé donc l'image du faucon rapide au moment où on était à la tour radar. Donc voilà, c'est pile poil. C'était 6h47, le temps qu'on arrive il est... Et là, 8h, enfin il est 7h. Enfin bref, il est l'heure. Peux-tu être plus rapide que le faucon? Eh ben on va voir ça. Concentration. Et ça se complique. Et voilà, plus rapide que le faucon. J'ai amélioré mon temps en plus, c'est cool. Hop, il est descendu de la... De la botte de foin ou de paille, j'ai pas bien vu. Alors, c'était... Non, faut aller sur la carte. Voilà, par là. Toc. Non, mince. C'est vrai qu'il faut le faire deux fois. Et pas une. Parce que là, je l'ai enlevé. Voilà. Bon, après, ça, c'est parce que je suis sur la mission du faucon. J'en ferai plusieurs fois pour effectuer, en fait, l'amitié des gens. Parce que faut pas oublier aussi que... Il y a l'amitié qui compte entre, si je ne me trompe pas, il y a donc, attendez, pour la confiance, voilà, il y a les animaux, il y a Jenny, il y a Monsieur Khan, il y a Helmut Kiesel et Mika. Bon, Helmut Kiesel encore, il va être, enfin on va dire, va avoir très facilement sa médaille, mais pour les autres, faut caresser quand même un petit peu d'animaux. Après, l'astuce pour avoir donc les animaux, pour avoir leur amitié en fait. Tout simplement, vous allez au centre équestre, hein, vous allez plutôt au ranch, pardon, parce que ça s'appelle ranch. Vous allez au ranch, et tout simplement en fait, vous allez caresser en boucle les animaux. Donc il y a une petite boucle à faire, hein, c'est tout simple. Moi je fais une petite boucle, même on pourrait faire plus court. Mais pour en fait effectuer le plus rapide en fait, c'est vous caresser un chien, un chat, un cheval. Et vous faites ça en boucle. Ça fonctionne. Après c'est sûr que c'est mieux d'aller un petit peu à droite à gauche. Ok d'accord, les rochers qui viennent de spawn. Un petit peu à droite à gauche en fait pour le faire tout au long de la partie. Parce qu'il y a quand même des animaux un petit peu comment dire partout.
Hein, il y a des vaches, il y a des chevaux, il y a des chats, des chiens. Je crois que non, les lapins, je crois qu'il y en a pas. Mais c'est pour dire qu'il y en a un petit peu partout. Alors, l'autre côté, ça serait cool. Donc là, on va encore effectuer une petite course. Je vais donner des pommes avant à mon cheval. Que sinon, ça va durer 2 ans, là. Hop. Voilà. T'as le moteur qui gronde à fond. L'énergie, c'est parti. Allez. Donc, que je me trompe pas là-bas. C'est parti. Alors, comment descendre sans ce... Bah, comment descendre? Bah, on va aller par là. On va suivre ce chemin. Voilà. Faudra redescendre encore. C'est vrai que je m'étais fait déjà avoir. C'est pour ça que je préfère mieux regarder. Parce qu'en fait, on peut pas faire le tour comme on veut là-bas. Et je trouve que c'est moins rapide après. Enfin, on peut faire le tour, mais c'est beaucoup moins rapide. Alors, ne pas oublier de descendre d'un cran. Hein. Faut pas être en hauteur ici. Parce qu'il y a tellement de montagnes, en fait, que... de rochers que votre cheval ne peut pas sauter. Donc surtout, ne pas aller trop haut. Voilà. Comme ça, au moins, on peut monter la pente, là. Tranquille ou pépouze. Après, personnellement, si je fais pas un record, je vais pas mourir. J'espère qu'il y a juste des pommes à côté pour redonner après à Mister. Alors, l'esquive des arbres, que je suis toujours pas douée, moi. Bon, en tout cas, cette course, c'est... Enfin, la deuxième fois que je fais la course, c'est quand même beaucoup mieux passé que la première. Parce que la première, mon dieu... C'était très marrant. Bon, voilà, Mika... C'est en 2. Alors, et ben maintenant on va faire la mission. Non, c'est pas la course que je veux, c'est. Non, ça c'est la mission secondaire. Passage sûr, voilà. En plus, voilà, je me suis rapprochée en fait du pas de tir pour qu'on puisse effectuer donc le tir à l'arc, la course et en même temps la mission principale. Comme ça, au moins, on est bien. On est très très bien. Donc comme ça, moi, je suis pas obligée de couper, en fait, les phases de balade. Alors, oui, cailloux, falaises, tout ça. Voilà. Ah oui, pour aller... J'ai une petite astuce. Alors, si je me souviens bien, parce que je l'ai fait quand même il y a... La semaine dernière, donc il y a quand même quelques jours, voilà. Vous voyez, c'est en bas, là, ici, là. Vu qu'on peut pas y aller avec Whisper, et qu'en fait, faut faire tout un tour, hein, faut faire tout le tour comme ça, et ben moi, j'ai une petite technique. Voilà, votre personnage, il peut pas se casser les pieds, hein, enfin, les jambes, tout ça. Hop là! Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez Whisper. Et voilà. Comment descendre une falaise? Simple, efficace, sans dommage. Parce que sur le coup, je me suis dit, oh non, faut vraiment que je me fasse le tour là. Et j'ai fait, attends, on va tester. Et ça fonctionne. Arizona, j'en ai un. J'ai un trou entre les fréquences. Ça veut dire que je vais pouvoir atteindre Maria en toute sécurité ? Exact. J'ai trouvé une route sans patrouille ni activité radio. C'est une zone morte près du bois lunaire. En le traversant, tu tomberas sur une barrière. À partir de là, c'est tout droit jusqu'au centre de santé. Merci, Adrian. Ça compte énormément pour moi. De rien. Prends soin de toi, Arizona. Promis. Merci. Et c'est parti! Nous allons enfin pouvoir dire la vérité ce qui se passe en ce moment au ranch Kattenbar. Toc, par là, on tourne.
Et pendant cette petite balade, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà la barrière. Elle nous mènera au chemin. Et c'est parti! Allez! Je m'arrête parce que... Ah quoi que non, j'ai pas réussi à m'arrêter, c'est lui qui s'arrête avant. Je voulais aller plus lentement mais j'ai pas réussi. Allez, vous voyez, hop, plus de branche. Alors, personnellement, avec une flèche, là, cette branche-là ça aurait pas cassé. À moins qu'elle soit vraiment vermoulue, c'est-à-dire que le bois il s'effrite dans les mains. Alors, on va dire ça. Chut, c'est la magie. C'était toi, ça fonctionne. Allez, avançons. Oui, alors si je tourne pas, c'est sûr que ça on va être un peu bloqué. Alors cette partie-là, en fait, elle était assez sympathique à passer. Sacrée balade. Bah comme ils disent, hein, sacrée balade. Le paysage est sympa. Oui, moi personnellement, je ferais jamais ça avec un cheval. Hein, avoir vraiment la confiance, hein, parce que là, on peut vraiment se scratcher par terre. Je vois plus rien la caméra, merci. Donc moi j'irai pas du tout. Je passerai par le dessus du pont. Hein. Mais bon, comme il demande de passer par en dessous, pour éviter qu'il y ait un train, même des planches quoi. Au secours. Doucement. Voilà. Du Parkinson. Voilà. Continuer sur le chemin. Voilà, par contre, là, c'est du saut d'obstacle, là, ça rigole plus. Ah bah. C'est passé vraiment... Ah bah oui, bah tiens. Là, on a fait le saut. Le saut de la foi. Si vous avez reconnu la référence... Après tout ça, quand tu te réveilleras... Oui. Est-ce que tu t'en souviendras? Pour être honnête, je ne sais pas. Tout cela semble si irréel, comme quand je rêvais de Whisper il y a quelques années. Mais je préfère ne pas y penser. T'accompagner est plus important pour le moment. Merci, Mika. Moi, je pense que... On est plus très loin, Whisper. Et nous sommes bientôt arrivés. La fin du périple, peut-être? Non, je rigole. Reste encore un petit peu, quand même. Et on a bien avancé. Qu'y a-t-il, Whisper? Chut, tout va bien, il n'y a personne. Très bien, ma grande, la partie a assez duré. Descends du cheval et tout ira bien. Vous retournez tous les deux à la maison. Non, vous ne comprenez pas. Je dois... Madame Kaltenbach, le ranch est en danger! Madame Kaltenbach? Donne-moi ça, Arizona. Descends du cheval, maintenant. Adrian, qu'est-ce que vous faites? Je croyais qu'on... Schaeffer, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Madame Kaltenbach? C'est rien, monsieur. C'est juste une gamine qui s'invente une histoire d'horreur. Tout va bien, et même mieux qu'avant. Madame Kaltenbach est dans un centre de santé. Adrian! Pitié, laissez-nous passer! Je croyais qu'on était amis. Pourquoi? Adrian, je t'en prie! Harry, descends de ce canasson maintenant! J'exige une explication, monsieur Schaeffer. Ou vous en subirez les conséquences.
Alors moi je sais pas douer, mais on va essayer. Est-ce que si je passe au niveau... Oui, c'est bon. Au cheval. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, le poteau, enfin le cône de signalisation s'envole. Ah non! Harry! Reviens ici, Harry! Schaeffer, arrêtez! C'est un ordre! Vous l'avez laissé filer! On l'avait, espèce de... Ah! Elle a sauté par-dessus le blocus? 5 sur 5. Elle a fait quoi? Vous avez vu ça? Je savais que c'était le légendaire Whisper. Si j'avais su, je serais vraiment partie en vacances. Quel ennui. Madame Kaltenbach? Oui, qu'y a-t-il? C'est que vous vous y connaissez en chevaux, pas vrai? Oui, mais venez-en au fait. Et je vous déconseille d'acheter un poney à votre fille. Eh bien, il y a un cheval dans le jardin. Un cheval? Oui, et une fille avec un arc et des flèches. C'est une plaisanterie. Quel cheval? Laissez-moi passer! Je dois voir Madame Kaltenbach! Harry? Vous l'attendiez? Madame Kaltenbach! Isabelle remplace vos médicaments par des vitamines. Elle essaie de vous tuer! Ou au moins de vous envoyer à l'hôpital! Elle a pris le contrôle du ranch! Elle essaie de vendre des hectares à Waterflow! Elle a embauché Tordur Thorvaldsson! Et renvoyé tous les autres! Et il y a ce policier! Il m'a piégée! Sam et moi, on est entrés par effraction dans le ranch pour découvrir et voler ses plans! Ça sonne vraiment mal, dit comme ça. Mais on a trouvé votre médicament, regardez! Harry, calme-toi, je te prie, ou je vais faire une nouvelle crise cardiaque. Tu as beaucoup de choses à me dire. Alors calme-toi pour moi. Discutons-en autour d'une tasse de thé. Tu pourras tout me raconter. Moi aussi, j'aimerais entendre cette histoire. Tout va bien, pas de panique. Helmut? Je vous pensais à la retraite. Que faites-vous ici? Comme d'habitude. Je l'ai poursuivi à travers le comté, tout en essayant de découvrir la grande conspiration contre Maria Kaltenbach. Où est Adrian? Au poste. On s'occupe de la paperasse et de sa suspension. Harry, recommence depuis le début. Oh, et vous? Oui, madame. Apportez-nous du thé, vous voulez? C'est la police. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont une remorque à chevaux. Ah! Ils nous ramènent sûrement Whisper. Quelque chose cloche. Bonsoir, messieurs. Je vois que vous nous avez ramené notre bien. Avez-vous réussi à attraper... Gamine? Bonsoir, Isabelle. Oh! Madame Kaltenbach, déjà de retour? Êtes-vous certaine que votre santé s'est rétablie? Si on me donne les bons médicaments, je n'ai plus aucun problème de santé. Je ne comprends pas. Vous pensiez pouvoir vous en tirer comme ça? Transformer le ranch, vendre ses terres, faire ces choses cruelles avec Tordur. Nous savons tout, Isabelle. Et le pire, vous avez remplacé mes médicaments par des vitamines. Je vais vous dire, jeune fille, vous aurez besoin d'un astéroïde pour faire quitter cet endroit à un dinosaure comme moi. Mademoiselle Herberg. Vous êtes en état d'arrestation pour présomption de... Présomption de quoi? Avez-vous la moindre preuve à l'appui de cette accusation ridicule? Si vous voulez bien me laisser finir, Mademoiselle Herberg, nous avons des preuves. Non. Non, ce n'est pas possible. Vous faites une grossière erreur. Helmut, elle tente de s'échapper. Mademoiselle Herberg, arrêtez-vous! Elle est dans la voiture! Allez vite! Oh là là, envoyez carrément des cartons. Eh,
Et tu devrais plus arriver à conduire avec ça, la distinguette. Voilà. Ah oui, il y avait une falaise. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Tu devrais avoir un accident, là. Oh, mais c'est que madame, elle pulse. Ah, purée. Pas voulu. Allez, tu dois rouler moins vite là. Oh, s'il te plaît. Oh, c'est bon là, la roue. Ah, merci. Le suspect a eu un accident. Appelez un camion de dépannage. La chasse est terminée. C'est terminé, Isabelle! Tu ne peux plus fuir! Non. Je suppose que non. Mademoiselle Herberg, je vous arrête pour présomption de fraude, détournement de fonds, résistance contre les forces de l'ordre, conduite dangereuse et surtout, tentative de meurtre. Vous êtes dans de beaux draps. Je n'ai pas vu un cas pareil en 40 ans de service. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et j'en paie le prix. Je voulais simplement sauver le ranch Kaltenbach. Je voulais rendre à l'équitation de ce pays toute sa grandeur. Toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Quoi ? Nous voulons toutes les deux un avenir meilleur. Pour nous, comme pour les chevaux. Tu as laissé ton passé derrière toi, et tu es allé de l'avant sans y réfléchir à deux fois. Et moi, je me suis servi du passé glorieux de ce ranch dont j'avais tant entendu parler quand j'étais petite. Ce n'est pas une excuse pour mon comportement. Mais c'est ce qui m'a poussée à aller de l'avant. Tout comme Sam, qui a suivi les méthodes de Tordure et de Monsieur Khan. Ou Adrian, qui voulait un nouveau futur, car le passé et le présent étaient trop douloureux. Nous sommes tous prisonniers de ce doute. Nous voulons tous savoir qui nous sommes, qui nous serons et ce que le futur nous réserve. Je suis désolée de vous avoir fait traverser tout cela. Mais je maintiens que ce n'était pas par égoïsme. Pour le moment, je vais conduire Mademoiselle Herberg au poste. Harry, merci pour ton aide. Bien qu'elle ait été très irresponsable. Oups. Franchement, j'ai eu assez d'émotions pour toute une année. Rentrons à Kaltenbach. Je crois qu'une tarte aux pommes nous y attend. Cool. Merci, Whisper. Et merci, Mika. T'es un peu en retard, Harry. Enfin, j'ai dit que pour Monsieur Kiesel, en fait, c'était quand même assez facile pour l'avoir. Et voilà. Petite étoile en plus sur le sac. Un autre petit Whisper. Alors, avant de continuer, en fait, pour maîtriser le parcours de présentation pour parler à Tinka, nous allons faire autre chose. Alors, j'avais vu qu'il y avait... Voilà. Bon, c'est un peu loin, mais on va y aller. Bon, bah, on se retrouve là-bas. Nous voici arrivés. Hop. À notre quête secondaire. Harry, tu es là, tu tombes bien, j'ai besoin d'aide. Qu'y a-t-il, Jenny? Des soucis de cœur avec Adrian? Non, pas cette fois. C'est à propos de mon commerce. J'ai des promesses que je ne peux pas tenir, et je n'y arriverai jamais si je n'ai que Titine. Oh, ça semble grave. Est-ce que je peux vous aider? Merci, Harry, j'espère que tu diras ça. Tu peux m'aider?
J'ai promis de livrer de la nourriture à certaines personnes afin d'étendre mon commerce. Mais je ne peux pas, car Titine m'a encore lâché. Le mécanicien est en route. Il n'est pas aussi mignon qu'Adrian, mais bon, je dois livrer ses plats tout de suite. Aucun problème, je m'en occupe. Mais pourquoi ne pas changer de camion puisque celui-ci casse tout le temps? Parce qu'il est rétro et que j'adore ma Titine. Ah, je vois. Bon, je vais livrer ça. Faire de la livraison de nourriture. Hop. Alors, le premier, c'est là-bas. Bah, tiens, la chapelle. Qu'on avait déjà été... Je crois qu'en plus, c'est la même chapelle qu'on avait été pour... trouver donc le magazine de cette très chère demoiselle Tinka. Bon, ça va encore pour la chapelle, ça va. Mais alors pour les autres, par contre, bah, ça va être coupure. Pendant que j'y suis... livraison de nourriture, voilà. Comme ça évitera que la quête principale sera mise en avant. Vu que là, je suis en train de faire la secondaire. Donc là, c'est juste pour quand même faire les toutes, enfin, peut-être pas toutes les quêtes secondaires, mais une bonne partie, comme ça au moins, on finit en même temps. Enfin, en même temps. Je vais essayer, hein, mais c'est plutôt on fera d'autres missions secondaires après. J'essaye en fait de mettre à niveau, comme ça au moins on sera tranquille, et il n'y aura plus qu'en fait des petites vidéos à faire. Avec donc les graffitis, les panneaux, les chapeaux de paille. Parce que là on a fini le tir à l'arc. Par contre il faudra que je vous montre aussi pour les personnes. Pour le. Donc c'était le la confiance. Voilà. Parce que là nous avons la confiance de Monsieur Kiesel. Mais on l'a pas à fond entre guillemets parce que là on n'est que à 1. On peut être plus haut. Donc il faudra que je mette ça aussi à fond. Alors pour Monsieur Kiesel, c'est comme d'hab, hein, c'est les ballons. C'est long, mais faut bien le faire. Alors, hop. Voilà. Alors, je sais pas qui est ici, mais bon. Ah, quoi que c'est pas une chapelle. Ah non, c'est... Oui, si, on est bien d'accord. Hein. C'est pas vraiment une maison, c'est plutôt une petite chapelle, quoi. Mais je croyais que c'était celle où il y avait le magazine. Je sais pas. Enfin, je. C'est un vague souvenir. Livraison spéciale de la part de Jenny Pichler. Pardon. Je vais y arriver. Au plaisir de vous servir. C'est Pichler, j'allais dire Pitcher. Enfin. Non, c'est Pichler. Bon, et bah, comme d'hab, hein, petite coupure le temps qu'on arrive à notre prochaine. Point d'intérêt pour la livraison. Ouais, on est Uber, hein. C'est cool. Hein. Je fais livraison Uber. Voilà, on va pouvoir livrer tranquillou. Ah bah tiens, c'était là où on avait été chercher la pièce de tracteur pour Samuel. Livraison spéciale de la part de Jenny Pichler. Au plaisir de vous servir. Yep. Ah, bon bah il s'est décalé tout seul. Bon, je voulais faire un petit saut d'obstacle, mais... Bon, Whisper, il a pas voulu. Bon, c'est pas grave. Je me dis qu'une fois que j'aurai fini cet opus, je vais voir si... Parce que je crois que j'ai un doute. Le premier, il faudrait que je regarde pour savoir en fait s'il est sorti sur PC, parce que bon... C'est pas que j'aime pas la Switch, hein. Il y a des jeux, ils sont super, il y a des lags, hein, mais en même temps c'est une Switch. On peut pas non plus lui demander d'être aussi performante qu'une Xbox, une PlayStation ou un PC. Mais j'aimerais trouver en fait le jeu soit sur PC, parce que PlayStation, malheureusement moi je n'ai qu'une Xbox. Donc je vais voir si on le trouve sur PC. Et de pouvoir faire aussi le premier opus, parce que celui-là c'est le deuxième. Je me suis un petit peu renseignée, parce qu'il y avait une personne qui m'a dit, voilà, tu savais que c'était allemand. Bon, bah écoute, non, parce que c'est vrai que j'y étais en...
On va dire, je connaissais Whisper. Hein. C'est pas comme si ça m'était étranger. Je connaissais Whisper, mais je savais pas que c'était allemand. Qu'à la base, c'était des livres en plus. Hop, livraison. Ah oui, je suis pas sûre que ça passe en dessous. Je rigole. Livraison spéciale de la part de Jenny Pichler. Au plaisir de vous servir. Donc voilà, à la base, par contre, faudrait que je me renseigne. Je crois que c'est une autrice, enfin c'est une fille, hein, un auteur fille. Je sais plus son nom, parce que moi et l'allemand, faut pas me demander, hein, parce que moi je sais pas parler l'allemand. Et c'est pas une langue qui m'attire, donc j'ai envie de maltraiter un nom. Hein, vous avez bien vu, dès que c'était un petit peu allemand, là dans le jeu, je me suis pas mouillée, hein, j'ai essayé de le dire comme je pouvais, ou des fois je passais à côté. Donc à la base, ce sont des livres, il y a 6 tomes en tout, et il y a eu donc, avec ces tomes en fait, il y a eu 5 films, dont le dernier est sorti en novembre de l'année dernière. Voilà, le truc, c'est que je veux les regarder, enfin je sais pas pour les livres, ça... Je pense plutôt regarder les films. Le problème, c'est qu'il n'y a que Amazon qui a les films, on va dire gratuits, parce que bon, bien évidemment, Amazon, il faut aussi avoir un abonnement. Mais l'abonnement, je peux l'avoir. Mais, j'ai regardé, en fait, il n'y a que le 1, le 2 et le 5. Et encore le 5, il faut le payer, parce que vu que c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, il ne le laisse pas gratuit, il faut le payer. Et le reste, en fait, en gros, faut que je paye les films pour les regarder. Voilà. C'est pas que je veux pas payer, mais c'est que des fois, c'est trop cher par rapport à ce qu'ils te demandent. Bon, après, le truc, c'est que j'aurais cru que Amazon, en fait, avait toute la série, à part, bien évidemment, le dernier film qui est sorti il y a pas longtemps, donc c'est un peu normal qu'ils le font payer. Mais là, ils ont que le 1 et le 2. Vous savez, pardon, s'il y a une autre plateforme ou des sites, pas illégaux, hein, s'il vous plaît. Moi, je veux regarder dans toute... je veux pas de, enfin, comment dire, de problème. Hein, et puis, les sites à risque pour avoir des virus aussi, c'est pas mon kiff. Je ne veux pas avoir de soucis, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir que je paye les films pour les regarder. En tout cas, les autres, parce que le 1 et le 2, c'est bon. Hein, c'est prévu que je les regarde. Ou sinon, écoutez, bah, j'attendrai. Puis voilà, c'est tout. Mais voilà, je me suis quand même un petit peu renseignée. Et donc, avec les 6 tomes et les 5 films, ils ont sorti 2 jeux. En fait, donc pour Whisper, Harry, c'est avec Harry, en tout cas avec ce personnage-là, c'est les 2 derniers films qui sont sortis. Donc ils sont basés sur les 2 films. Bon, après, je suppose que sur Switch, ils ont épuré. Parce que j'ai vu que sur la version PC, elle était plus longue. Donc je suppose que sur PlayStation, c'est exactement le même scénario. Oh, des pommes, ça par contre, ça m'intéresse. Et donc en fait le premier, je sais pas, je crois que le premier, bah, ça prend le premier film, mais je pense pas que ça prenne donc les trois autres. Je suppose que ça prend les 3, mais je suis pas sûre vu que je n'ai jamais joué au premier. Mais j'ai un petit peu renseigné. Après, ce qui me donnera vraiment envie, c'est de regarder les films, et là je vais vraiment apprendre. Oui, je connais plein de films de chevaux. Mais c'est vrai que Whisper, je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Après, il y a certains films, quand vous les regardez, c'est... tu fais, ouais, ok, il y a des chevaux, l'histoire, elle est bof. Après, je suppose que Whisper, c'est peut-être mieux. Hein. Je ne connais personne, en tout cas de mon entourage, qui connaît Whisper. Moi, je l'ai connu, c'est parce que y avait eu quand même des jouets dérivés de la série. Il y a eu aussi les pubs, hein, parce qu'il y avait des pubs qui se mettaient quand le jeu en fait Harry sortait. Et puis les films aussi, parce qu'il y a eu quand même des affiches, hein, pour les films. D'ailleurs, je les ai pas vus, en tout cas
par chez moi, parce que bon, ça dépend aussi des régions, par chez moi pour la pub au cinéma. Je ne l'ai pas vu, mais alors du tout. Alors que c'était quand même l'année dernière, au mois de novembre. Moi, au cinéma, il n'y avait pas Whisper. Donc, après, faut pas non plus. Enfin, Bourges, c'est pas non plus. Une grande ville comme Paris, Tours ou Orléans. Tu es de retour. Mille fois merci, Harry. Je n'ai reçu que des notes positives pour la livraison rapide. C'est peut-être le début du succès. Contente d'avoir pu aider, mais si vous voulez faire tourner cette entreprise, vous devriez améliorer un petit in. Je le ferai notamment. Encore merci. Passe me voir quand tu veux. Alors, faut que je regarde alors à peu près où j'en suis. Attendez, excusez-moi. On va aller améliorer Titine, tiens. Allez, hop, pendant qu'on y est. Hop, voilà. Alors, rendez-vous dans 2600 mètres. Et par la suite des aventures. Et voilà, nous sommes arrivés. Alors, allez. Là. Titine. Hop, on va voir, au lieu d'être... devant, oui. Ça fait un peu mieux pour parler. Oh, salut Harry. Salut Jenny. Vous avez l'air triste. Quel est le problème? Mes ventes ont baissé ces derniers temps. Je ne sais pas quoi faire. Qu'en penses-tu? Ce sont mes plats, c'est ça? Ou c'est moi? Seigneur, je deviens vieille, c'est ça? Plus personne n'achète à une vieille sorcière. Bouh. Eh bien, je pense que vous devriez essayer de moins parler, mais tout le monde adore vos plats. D'accord, je ferai attention à l'avenir. Mais quoi d'autre? Peut-être que Titine a besoin d'une retouche. Elle est toute rouillée et elle tombe en panne tout le temps. Quel âge elle a maintenant? 40 ans? 70, plus ou moins. Mais tu as raison, peut-être qu'elle a besoin d'une retouche. Je vais jeter un œil dans les environs, voir ce que je peux trouver. Merci Harry, merci beaucoup pour ton aide, c'est vraiment gentil. Allez, hop, on va aller chercher en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va chercher ça en ville. Alors, c'est pas les présentations, parce que j'ai failli me faire avoir en plus tout à l'heure quand on est parti. Hein, j'ai vu 2600, mais en fait, non, c'était pas par là. Heureusement que j'ai vu, parce que sinon, j'allais droit devant. Développer les ventes, voilà. Et ben, dans 2400 mètres, on se retrouve là-bas. Voilà, nous arrivons en ville, tout doucement. J'ai fait un petit peu les réserves de pommes. J'en ai tellement... Enfin, réserve de pommes. Et aussi, j'ai nourri Whisper pour qu'il aille un peu plus vite. J'ai tellement nourri de pommes que... que j'ai un succès. Bonjour ma petite. Comment puis-je t'aider? Bonjour, j'ai besoin de peinture pour une voiture. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de repeindre ce cheval. Non, c'est pas pour moi. C'est pour un camion. Un vieux Tiestar HX. Ouf. Ou c'est Tiestar, je sais pas, ça m'a fait bizarre. Tu parles du camion de Jenny, c'est ça? J'ai bien quelque chose pour toi. Il nous reste quelques jolies peintures dont on n'a plus besoin. Tu peux les prendre et salut Jenny de ma part. Waouh, merci beaucoup. C'est parfait, Jenny va être super contente. Alors, prenons les peintures. Et retour à Jenny. Hop, voilà. J'ai dit de reculer, merci. Hop. Voilà, et attention. Téléportation à Jenny. Je vous avais dit téléportation. Harry, tu es de retour. Oui, et regarde ce que j'ai apporté. Un tas de peintures pour voiture. C'est génial, mais je sais pas comment utiliser ces couleurs correctement. Peut-être que tu peux demander à Adrienne de venir m'aider. S'il te plaît. Je ne voudrais pas avoir à utiliser la ligne d'urgence juste pour lui parler. Ça m'a coûté des gros problèmes la dernière fois. Je suis sûre qu'il sera content de pouvoir vous aider. Je vais lui demander. Tu es la meilleure. Merci, Harry.
Ouais, alors personnellement, heureux. Enfin, je pense que c'est un peu décousu. Si je l'aurais fait avant, bon, voilà. Ou peut-être après, hein, pour dire que c'est peut-être repenti de la bêtise qu'il a faite envers nous. Non, parce que bon, pour moi, ça marquait qu'il était suspendu. Enfin, marqué. Plutôt monsieur Kiesel qui disait qu'il était suspendu. Donc bon. Peut-être dû le faire avant ou bien après. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, allons le chercher pour faire que Titine soit, dire de peinture neuve, hein, pas toute neuve parce que ça va être compliqué qu'elle soit neuve, à part tout changer. Ça va heureusement que Adrian il est pas non plus de l'autre côté. Déjà pour aller chercher de la peinture, c'était pas génial. C'était quand même dans la ville, on va dire. Principal, parce que c'est là où je pense qu'il doit faire les courses, etc. Pas pour dire, mais il y a quand même beaucoup de campagne, hein, beaucoup de forêt. Voilà, j'ai failli me prendre un peu tôt. Ah oui, puis je vous ai pas dit aussi pourquoi c'est allemand. Parce qu'il y a déjà les noms. Adrian, Jenny voudrait que vous l'aidiez. Et voyez le mot policier là, c'est Polizei, pour un mot que je connais allemand. C'est voilà, c'est allemand. Sinon, ce serait pas marqué comme ça. Ah, évite de me faire peur comme ça. Quoi, moi, quel est le problème? Ne vous inquiétez pas, elle a juste besoin d'aide pour repeindre son camion. Oh, je vois. Eh bien, c'est mon devoir d'aider tous les citoyens. Et je suis heureux d'aider Jenny. Même si j'ai du mal à accepter son style de vie vegan. Parfait, merci. Je reviendrai plus tard pour voir comment ça avance. Bonne petite vieille, vieille voiture police là. Attends, elles sont plus comme ça. Hein. Allez, comme d'habitude, on va se téléporter. Ou est-ce qu'on galope un peu? Bon, on va plutôt se téléporter, ça évitera d'avoir un petit peu trop de... Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment beaucoup les galopades, mais c'est surtout que c'est redondant en fait, parce que c'est juste pour tourner. Oh, quoique. Oh, on est déjà à 500 mètres. Oh, enfin, 600. Bon, je l'ai dit. Bon, bah, on va éviter de faire une petite coupure. Rebonjour les meumeux. Je ne fais que de passer. On va aller voir Jenny. À chaque fois que j'entends ce nom, ça me fait penser à Pokémon avec l'infirmière. Pas l'infirmière, la police en plus. C'est une policière, elle s'appelle Jenny. Bon, c'est l'infirmière Joël. Voilà, nous y sommes. À pouvoir repeindre la voiture. Titine va changer de look. Voilà, j'ai failli faire un petit accident en arrivant vers Titine. Allez, c'est parti. Ouais, alors comment ça a été peint, c'était... Enfin, c'est bizarre, hein, mais bon, enfin bref. Harry, on a réussi, regarde ça. N'est-ce pas merveilleux? C'est sûr que ça lui change un peu de tête, hein, Titine. Tout à fait, c'est adorable. Bien joué, vous deux. Adrienne a vraiment aidé, même si la moitié de la peinture a fini sur ses vêtements. Mais c'était mignon, regardez. C'est le deuxième uniforme que je vais devoir faire remplacer ce mois-ci. Ah, je suis sûre de pouvoir le laver, si tu peux le retirer juste pendant un moment. Quoi? Mais je suis de service. Peu importe, regarde ce que j'ai trouvé. C'est une vieille clé bizarre que j'ai découverte en peignant Titine. C'est vrai qu'elle a l'air vieille et bizarre. À quoi pourrait-elle servir? Tu devrais essayer de le découvrir. Tiens, tu n'as qu'à la prendre. Elle doit pouvoir ouvrir une vieille porte rouillée. Peut-être dans l'un des endroits abandonnés de l'aéroport. Jetez un œil, enfin un coup d'œil. Merci. Et bien évidemment, ça sera pour la prochaine vidéo.
Et bien, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner et puis donc à appuyer sur la cloche des notifications et puis faire un petit commentaire, hein, ça sera avec joie de vous répondre. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao, bye.